La vie d'une femme d'hôte fée à la campagne. Texte écrit par Stéphane Raffray, Jean-Noël Tréfou, Laurent Robert, au collège de Merzenior. Lucienne se chaume à 5 heures et allume la fouille dans la cheminée, à une poignée de paille et du fagot. Au meule café et gâte l'eau quand elle est bouillante. Après le petit déjeun, on tire les vaches assises sur une tablette. Paye, les emmène et chante. Quand on revient, on l'enlève le fien et fait les litières. Après, on fait le ménage. Toutes les semaines, on lave le petit linge au lavoir. Les draps sont blanchis tous les mails. Le linge est repassé au défer à charbon ou des plaques chauffées au grail. Lucienne va quérir l'eau au pur, fait sans le sio au viro. On prépare le beurre dans sa ribote. La soupe est chaude dans une grande marmite au lieu qu'elle a mis de l'eau, du lard, une poule. On fait des galettes 2 ou 3 fées par semaine. On les mange au du lait ribot ou du beurre. Le cerf, on fait souvent des peaux.